qui demande des qualités de fraîcheur physique, technique et psychologique. D'ailleurs, à titre d'indication, je vous signale que ça avait été interdit dans les années 80-90 de faire matcher les gymnastes à 8h du matin car il y avait eu trop d'accidents. Et là, malheureusement, les enjeux économiques l'emportent sur le sport. C'est un véritable scandale, on peut le dire. Ben, pour nous, c'est terrible, oui, parce que ça va demander, pour travailler à 8h du matin, il faut se lever à 5h. Et encore une fois, faire un sport comme la gymnastique où il y a des prises de risques énormes, où il y a un besoin de fraîcheur, notamment sur la prise de repère, on en parlait tout à l'heure au saut de cheval, tout se joue au millimètre et on n'a pas droit à l'erreur. Brandon O'Neill, le Canadien, alors que Zefeng avait obtenu tout à l'heure la note donc de 13-900. Une bonne école de gymnastique hein, maintenant au Canada. Avec notamment Kyle Schufeld, hein, on en a parlé tout à l'heure, qui a obtenu. Et il prend la tête du concours, Brandon O'Neill, avec une note de 15,450.